Bonjour tout le monde, bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui une nouvelle recette gourmande d'un gâteau dessert sans cuisson aux biscuits, crème chocolat et banane. Facile et très très rapide à faire. Voyez, pour le montage du gâteau, je vais utiliser cette poêle recouverte du film alimentaire. Vous pouvez bien sûr utiliser un moule de votre choix. C'est juste une idée pour les personnes qui n'ont pas de moule à gâteau. Cette poêle fait 20 cm de diamètre sur 6 à la hauteur. Ensuite, j'ai pris deux bananes, je les coupe en morceaux, puis je les place au fond de cette poêle. Vous pouvez bien sûr utiliser autres fruits de votre choix. Je les laisse de côté, je vais préparer la crème au chocolat. Alors, dans cette casserole, je vais mettre 500 ml de lait froid, avec 3 grandes cuillères à soupe de maïzena, la fécule de maïs ou l'amidon. 3 grandes cuillères à soupe remplies. J'ajoute aussi le cacao amer, une grande cuillère à soupe que je vais tamiser. Avec le sucre, et c'est selon le goût, 3 cuillères à soupe. Je mélange bien, je fouette manuellement avant de mettre la casserole sur feu assez moyen pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à l'épuisement du mélange sans cesser de remuer. Maintenant, je retire la casserole du feu et encore chaude, j'ajoute à la crème une cuillère à soupe de beurre avec les morceaux de chocolat pour donner plus de goût et la consistance crémeuse. Et je mélange bien. Et si vous n'aimez pas le goût de chocolat, vous pouvez réaliser une crème caramel. Vous allez faire fondre le sucre dans une casserole sur feu doux jusqu'à ce qu'elle devienne caramel. Vous ajoutez un morceau de beurre, puis la préparation lait et maïzena, la fécule de maïs bien mélangée à l'avance. Vous mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à l'épaississement du mélange, toujours sur feu assez moyen. Ici, comme vous voyez, j'ai versé la crème au chocolat au-dessus de morceaux de banane. Maintenant, je prends les biscuits, je les place au-dessus. Alors, j'ai utilisé ces biscuits-là. Garni au chocolat, vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel biscuit de votre choix. Si vous appréciez la recette, je vous invite à découvrir d'autres recettes et divers choix de gâteaux sans cuisson sur ma chaîne, toujours facile à réaliser. Alors une fois terminé, je laisse le gâteau refroidir à température ambiante juste dans la cuisine avant de le mettre au frigo pendant environ 1 heure à 2 heures. Après le refroidissement, je le sors du frigo. Maintenant, je vais le démouler. Un très beau gâteau, très réussi, surtout gourmand et très très facile à réaliser quand vous avez suivi. Ici, si vous voulez, vous pouvez le servir tel quel ou bien vous pouvez le décorer selon le choix. Pour moi, je l'avais décoré avec quelques amandes concassées. Je vous invite vraiment à le tester. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.